Rebecca, ami ennemi. Ayoub est inquiet. Il n'a pu retrouver que la moitié de notre troupeau. Le reste a été volé ou dispersé. Ayoub craint maintenant que nous n'ayons pas assez d'argent pour pouvoir partir pour Antioche. Si jamais nous trouvons celui qui l'a attaqué, je ne sais pas ce que je ferai. C'est très dur de voir souffrir un être cher. Dur. Je déteste vraiment ces gens. Sarah, rappelle-toi que ta haine ne fera du mal qu'à toi seule. Il faudra bien que tu leur pardonnes. Je sais. Mais il m'arrive de ne pas vouloir faire ce que je dois. Oh, je sais, c'est dur. Rivka, où es-tu? Rivka, je dois voir le gouverneur aujourd'hui. Qui es-tu? C'est ma jeune amie Sarah, Aaron. Une autre de tes amies. Rivka, si ce vaurien de Mika vient me trouver ici, n'ouvre surtout pas la porte. C'est un menteur et un voleur. Je ne veux pas qu'il entre, surtout pas! Tout ce que veulent ces malotrus, c'est de l'argent. Sarah. Aaron. Ne discute pas avec moi, Rivka. Tu vas me dire, pardonne-lui. Tes discours religieux sont bons pour les femmes, mais je suis un homme pragmatique qui vit dans la réalité. Je sais qui sont mes ennemis. Comment peux-tu oublier ce qu'il m'a fait? Mika essayait juste... N'ouvre surtout pas la porte, Rivka. Méfie-toi de ceux que tu appelles tes amis. Au revoir. Aaron. Je rentrerai peut-être tard, ma chérie. Oh, ma chérie, je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire. J'aime mon mari. Je prie pour lui. Mais parfois, il peut être difficile. Je croirais entendre ma mère. Tante Rivka? Sarah, reviens à la maison. Père est de retour. À la maison? Mais il n'est parti que depuis 3 mois. Il a été blessé aux yeux. Oh, Rivka, peux-tu aussi venir voir? C'est grave. Oui, bien sûr. Merci. Oh. Oh. Mon chéri. Es-tu là ou est-ce que je rêve? Oui. Je suis là. Ce n'est pas un rêve. Mais qu'est-ce qu'il t'en fait? C'était un accident, Layla. Des morceaux de pierre m'ont atteint aux yeux. Moussa, tes yeux? Une chose en entraînant une autre. Ils se sont infectés. Et je suis là grâce à... Grâce à la gentillesse de l'homme qui se trouve dans la cour. Il m'a ramené. Nous devons le remercier. Si seulement j'étais assez forte pour me lever. Non. Nos filles sont là pour prendre soin de lui. Mariam est partie chercher Sarah. Père! Sarah! Père, non, ne te lève pas.
C'est si bon de te voir ici, père. Assieds-toi, s'il te plaît. Oui. Qui est cet homme dans la cour? C'est Titus. Et il faut lui servir à manger. Il m'a ramené. Mais père, c'est un Romain, un soldat. Oui, je le sais bien. Mais s'il n'avait pas été là, je serais encore à Beyrouth, dans un état pire que je ne le suis déjà. Je dois ma vie à ce soldat romain. Et tu veux que nous lui donnions à manger? Oui, dans la maison. Bien, père. Mais père, il faut que quelqu'un regarde tes yeux. Tante Rivka est ici. Elle peut te soigner. Cette femme... Pas question qu'elle me touche. Plutôt mourir. Oh, Moussa. Je serais morte si elle n'était pas là. Et tu le sais. Elle est ici, mère. Vieux têtu que tu es. Tu nourrirais un soldat romain dans la maison, mais tu n'accueillerais pas une femme comme Rivka. Peu importe qui est son mari. Elle est gentille et la meilleure des amies. Père, nous sommes si heureuses que tu sois rentrée. Laisse-nous maintenant prendre soin de toi. Laisse tante Rivka te soigner. Je vous dis que cette femme ne me touchera pas. Elle n'a pas besoin de te toucher, père. Laisse-la juste regarder tes yeux. Tante Rivka, je suis désolée. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Je t'en prie, reste. Il accepte que tu l'examines, mais sans le toucher. Je peux enlever les bandages, faire tout ce dont tu as besoin. Bien. On peut essayer. Est-ce que tu as mal, père? Non. Pas du tout. Je n'ai plus besoin de bandage ici, à l'intérieur. Tes yeux sont infectés, père. Je vais en mettre de nouveau. Moussa, tu vois quelque chose? Non. Pas encore. Peut-être devrais-tu te reposer, père. Tu as fait un long voyage. Oui. Oui. Weda Wood? S'il te plaît, père, pas avec ce Romain dehors. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Nous te le dirons, après son départ. Et qu'en est-il sinon d'Enoch, le fils de mon cousin, Jonas? En revenant, je n'ai fait que... penser à ton mariage, Mariam. Père, ce n'est pas Enoch qui m'intéresse. Ah ah. Je le savais. Donc, il y a un autre jeune homme.
Leila, approuves-tu le choix de notre fille? Oui, Moussa chérie. Mais à vrai dire, Moussa, on ne sait pas vraiment si ce jeune homme est intéressé ou pas. Il a été gentil et serviable pendant toute ton absence. Qui est-ce? Yacoub? Oui, Yacoub. Bien. Ça pourrait être pire. Va te reposer. Merci. Est-ce que père pourra un jour recouvrer la vue, à ton avis? Je ne peux pas le dire. L'infection aurait dû être mieux soignée plus tôt. Je n'arrive pas à croire que père a amené un soldat romain chez nous. Je déteste les Romains. Penses-tu que Jésus haïssait les Romains, Mariam ? Te rappelles-tu ce que Jésus a dit? Il a dit qu'il nous faut aimer nos ennemis. C'est cela qui nous rend différents. Dans le monde, les gens ont bien du mal à pardonner. Et ils n'agissent bien qu'envers les personnes qui les traitent bien. Dieu nous aimait alors que nous étions encore ses ennemis. Et il nous demande de faire pareil. D'aimer même ceux qui nous maltraitent. Quand je pense à Jésus sur la croix, il a pardonné même à ceux qui l'ont mis à mort. Et il nous pardonne, toi, moi. Alors qu'il a fait tant pour nous, ne devrions-nous pas aussi pardonner à ceux qui nous blessent? Est-ce ce que tu ressens quand tu viens en aide à père? Oh! Tu aimes ton ennemi? Ton père n'est pas mon ennemi, Mariam. Il le croit seulement. Mets ce baume sur ses yeux et refais-lui un bandage. Oui. Ce n'est pas facile d'aimer nos ennemis.
Personne n'a dit que ce serait facile. Tu devrais prier pour lui. Prier pour lui? Oh, Yacoub. Entre. Tout va bien. Nous allons lui donner à manger avant qu'il ne reparte. Qui est là? Qui est à la porte? C'est Yacoub, père. Yacoub, le jeune homme lui-même. Fais-le entrer. Ton père est là? Oui, mais il ne peut pas voir. Ses yeux ont été abîmés et il est aveugle. Pour le moment, en tout cas. Désolé d'entendre cela. Viens, père. Laisse-moi t'aider. Pourquoi es-tu là, Yacoub ? Eh bien, j'étais au champ pour aider avec les animaux et... Tu ne sais pas quoi dire. Ce sont des choses qui arrivent. Ah oui, vraiment ? Et ton père ? Comment va-t-il ? Très bien, merci. Et comment allez-vous? Je me suis porté mieux. Ouais. Je suis désolé. Je dois y aller maintenant. Oui. Oui. Si tu n'as vraiment rien d'autre à me dire, alors tu ferais bien de rentrer. Alors au revoir. Et je ne veux aucun problème avec toi. Est-ce que tu me comprends? Tout doit être fait dans les règles. Merci beaucoup. Au revoir. Mariam. Mariam. Ton frère est venu me voir hier soir. Il veut savoir comment vous allez. Tu as un message pour lui? Ne lui parle pas du soldat. Mais dis-lui que père est rentré. Est-ce que tu veux que je lui dise de revenir? Non. Plus tard, quand ce sera sûr. Merci, Yacoub. Je suis désolée pour... Je veux dire, père et... Ça n'est rien. Le repas est prêt. Si nous servions d'abord le soldat, et lorsqu'il aura fini, nous pourrons dîner. Pourquoi les gens se haïssent-ils?
Pourquoi aimez-vous les gens que vous aimez? Comment est-ce que Rivka a répondu au rejet de Moussa? Qu'est-ce que les paroles de Jésus vous apprennent sur l'amour? De quelle façon pouvez-vous appliquer ces paroles à votre propre vie ?